Alors, la chirurgie dans le traitement des cancers. Alors, le cours précédent, c'était les principes de la radiologie. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de la chirurgie dans le traitement des cancers. Alors, en généralité, le traitement chirurgical des cancers consiste en règle générale en une résection ou ablation de la tumeur avec curage ganglionnaire. Je répète, avec curage ganglionnaire. La chirurgie peut être associée à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, qu'on peut appeler aussi traitement adjuvant dans les stades avancés. Indication. Il existe des tumeurs opérables et des tumeurs inopérables, selon les critères, exemple la taille de la tumeur, le bilan d'extension en cas de métastase. Il existe aussi des malades qu'on peut opérer, d'autres qu'on ne peut pas opérer, en raison de l'état général, des maladies associées et de l'âge, etc. Merci monsieur, si vous n'avez pas de questions.